D'abord, c'était une découverte. Hein. C'est un lieu dont j'ignorais l'existence, alors que pourtant j'ai grandi dans la région, j'ai grandi à Gouvieux, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le lieu quoi, quand j'ai commencé à visiter le lieu. Donc, c'est comme ça que j'ai venu l'idée de travailler sur une installation lumineuse. C'est une ligne de lumière, donc on voit effectivement, il y a un dessin qui apparaît, mais c'est aussi une mise en lumière de l'espace. Donc pour ce dessin, le dessin, il s'est vraiment fait à partir de la sur place, quoi, à partir de la géométrie du lieu, en imaginant un trajet, un parcours à l'intérieur de cet espace-là qui viendrait jouer avec les reliefs de l'espace et notamment les fissures qui sont présentes dans le plafond. Le choix de la source de lumière, ça a été toute une partie de réflexion au début du projet, avant même de commencer à regarder un dessin. Avec quel type de lumière on va travailler? Et j'avais envie de retrouver quelque part dans la fabrication du projet le geste d'un artisan. Ensuite, la deuxième raison du choix du néon, c'est cette couleur absolument magnifique. Et pour ce projet, j'avais vraiment envie de quelque chose d'assez sensible, sensuel même, hein, donc une lumière qui baigne l'espace. Après, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est aussi un dialogue entre des artistes et des artisans. Donc, il y a une communauté hein, qui gravite autour de la Maison de la Pierre, de tailleurs de pierre, mais aussi des gens qui font du vitrail et d'autres formes d'artisanat. Et comment mettre en place un dialogue entre justement tous ces savoir-faire traditionnels et puis peut-être le regard des artistes contemporains. Et donc ce dialogue entre modernité et tradition me paraît super important.